Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit quelque chose. Donc, vous connaissez tous les écouteurs sans fil qui nous permettent d'écouter notre musique sans fil. Généralement, ces écouteurs-là, qui sont faits pour cet usage spécifique, coûtent relativement cher. C'est environ 40-50 $ minimum. Et si vous voulez augmenter en qualité, ben, le prix va augmenter assez rapidement. Donc, moi, j'en suis arrivé à faire quelque chose de similaire, qui n'a peut-être pas une portée aussi grande, mais qui fait à peu près le même travail. Donc, pour ça, il va nous falloir un récepteur FM portatif. Donc, ce récepteur-là est en forme d'écouteur, sinon, vous pouvez toujours vous acheter des petits. Les tout petits récepteurs AM/FM là, qui coûtent quoi 5 $ dans un magasin vraiment de trucs chinois, où vous pouvez vous acheter, ou même usagé, parce que ça je l'ai usagé pour 1 $, donc vraiment ça m'a rien coûté. Et vous achetez ce petit objet-ci qui est un transmetteur FM. Le mien est stéréo, donc c'est au moins ça. Et je vais brancher le transmetteur FM dans sortie audio de mon PC. Voilà. Je branche ça ici. Je mets ça sur un objet qui va me permettre qu'il soit au-dessus des trucs qui bloquent. Ensuite, hop. Hop. Je change ma fréquence. La fréquence où ce que j'ai le moins d'interférences, c'est la dernière, soit le 107,9. Mes écouteurs sont déjà syntonisés au 107,9. Donc, je vais les allumer. Et je vais coller les écouteurs sur le téléphone. Donc, comme vous pouvez entendre, j'ai des écouteurs sans fil. Donc, la portée est quand même assez bonne pour moi, ce que j'en fais, puisque j'habite dans un 3,5. Donc, je peux faire toute la maison avec ce tout petit transmetteur FM-là. Donc, ça pour moi, ça règle le problème. Donc, voilà. C'est comme ça, on peut se faire des écouteurs sans fil pour vraiment très peu cher. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vous acheter, vous pouvez utiliser d'autres modèles comme les petits radios portatifs qui fonctionnent avec une pile. Et voilà, vous mettez vos écouteurs, vous pouvez vous promener dans la maison avec ça. C'est quand même franchement le truc le moins coûteux que j'ai réussi à faire pour avoir des écouteurs sans fil, à moins d'acheter des écouteurs sans fil usagés, donc ça va coûter moins cher. Mais ça, franchement, ça fait à peu près le travail. C'est dommage, celui-ci n'est pas stéréo, je crois, et le son n'est pas de très grande fidélité. Mais si j'en trouve un autre, par exemple, de plus grande fidélité, rien ne m'empêchera d'avoir une meilleure qualité audio, puisque la qualité audio de ce truc ici est vraiment acceptable. Donc ça, j'ai pas à m'en plaindre. Du petit transmetteur, c'est juste qu'il est pas extrêmement puissant parce que les lois interdisent d'avoir des transmetteurs FM trop puissants. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine.